Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. C'est mercredi le 26 août 2020, 23h25, heure du Québec, avec une petite vidéo de dernière minute. C'est la Convention naturellement euh, républicaine pour euh, la confirmation de la nomination de Donald Trump comme le, le, le chef des, des Républicains. C'est une formalité. Et ce soir, il y avait euh, des gros noms qui... Euh, qui, donnaient leur, qui, qui présentaient leur discours, qui faisaient présence, acte de présence. Et dans les nombreux euh, orateurs, il y avait Laura Trump, il y avait une religieuse, une sœur. C'était assez intéressant. Il y avait Kellyanne Conaway aussi, entre autres. Le vice-président, Mike Pence, son épouse, la première, la deuxième dame hein, des États-Unis. Et ça m'a rappelé une nouvelle qui est passée sous silence et euh, qui est vraiment importante et qui est peut-être un signe hein, de, de ce que va représenter comme difficulté pour Donald Trump sa réélection. Kellyanne Conway, qui a été sa directrice de campagne en 2016, la première femme à remporter euh, une campagne électorale en tant que directrice de campagne et qui a été sa conseillère spéciale pendant quatre ans, hein, Kellyanne Conway qu'on a vu partout. Ben, elle annonçait qu'elle quittait la Maison Blanche dimanche pour des raisons apparemment familiales. On sait que son mari est un grand anti-Trump, un lobbyiste ré républicain anti-Trump, et que j'imagine euh, que la tension devait être assez élevée dans le, le couple et qu'il y a eu des problèmes aussi avec. Euh, elle a eu la perte de son père et euh, des problèmes d'éloignement avec sa, fée, sa fille. Donc Kalian euh, Conway euh, salue la famille, la foi et la liberté au milieu de la tourmente personnelle de l'éloignement de sa fille et de la perte de son père. Donc dans son discours ce soir à la Convention républicaine, euh, c'est assez, je l'ai écouté, Kalian Conway, euh, c'était assez solennel mais assez détaché. C'est un signe des temps pour Donald Trump. Il y a eu beaucoup, beaucoup au cours de la dernière année. Et on pourrait dire même depuis deux ans, beaucoup de gens qui ont annoncé qu'ils se retiraient des gens euh, au Congrès, surtout plusieurs euh, élus du Congrès, qui, sont, qui avaient annoncé euh, leur retrait de la vie politique euh, après plusieurs avant la défaite de l'élection de mi-mandat et d'autres après la défaite de l'élection de mi-mandat. Donc Kalian Conway a salué la famille, la foi et la liberté au milieu de sa tourmente personnelle de l'éloignement de sa fille et de la mort de son père s'exprimant à la convention nationale euh, républicaine mercredi soir l'ancien conseiller du président a souligné l'importance de ce qui compte le plus la femme de 53 ans déclarait à son auditoire j'ai grandi dans une famille qui de... avait que des femmes elles étaient toutes autonomes et résilientes leur vie n'était pas facile elles ne, sont jamais, elles ne se sont jamais plaintes et l'argent était limité, mais nous avions une abondance de ce qui comptait le plus, la famille, la foi et la liberté. J'ai appris qu'en Amérique, les moyens limités ne conduisent pas à des rêves limités. La promesse de l'Amérique nous appartient à tous. Conway, qui a été un proche conseiller du président depuis son assermentation en 2016, a expliqué que pour beaucoup d'entre nous, l'autonomisation des femmes n'est pas un slogan. Elle a expliqué cela ne vient pas euh, d'étrangers dans les médias sociaux ou d'un langage désinfecté dans un manuel d'entreprise. Cela vient des héros de tous les jours qui nous nourrissent, qui nous façonnent et qui croient en nous. Claudia, la fille de Kellyanne Colloway, a récemment affirmé que le travail de sa mère avait ruiné sa vie. Une belle fille quand même. Hein? On la voit ici avec son père qui est décédée plus tôt cette année. Conway a été élevée par sa mère, sa grand-mère, Antoinette et deux tantes, a-t-elle affirmé dans un article de couverture du New York Magazine. Elle est la première femme directrice de campagne de l'un ou l'autre des principaux partis politiques à remporter une élection présidentielle générale. C'est une terre d'inventeurs et d'innovateurs, d'entrepreneurs et d'éducateurs, de pionniers et de parents, chacun contribuant au succès et à l'avenir d'une grande nation et de son peuple, a déclaré Conway dans son discours ce soir. Ces héros de tous les jours ont un champion dans le président Trump. La mère de quatre enfants a félicité le président et le vice-président Pence, Mike Pence, pour avoir soulevé les Américains et leur avoir offert des opportunités et des résultats de dignité. On peut voir qu'Alian Conway qui est photographié avec son mari. Un anti-Trump comme c'est pas possible, et leurs quatre enfants. On peut voir ici son père avec son petit air coquin. Le père de Conway, John Fitzpatrick, décédé à 79 ans. Kellyanne Conway photographie avec sa fille Claudia. Elle a déclaré que le président Trump choisit les combats les plus difficiles et s'attaque aux problèmes les plus complexes. Le discours du conseiller du président Trump. Intervient quelques jours après, à peine après avoir quitté son rôle ce week-end, après que sa fille Claudia a affirmé que le travail de sa mère avait ruiné sa vie. Claudia, 15 ans, a déclaré qu'elle cherchait à divorcer de ses parents parce que le travail de sa mère avait ruiné sa vie. Conway a tweeté dimanche soir Je quitte la Maison-Blanche avec gratitude et humilité. Waouh elle a expliqué que ses quatre enfants sont des adolescents et des préadolescents qui sont sur le point de commencer une nouvelle année scolaire à distance de la maison pendant au moins quelques mois. Le mari du conseiller, George Conway, a également annoncé qu'il quitterait ses fonctions au sein du comité d'action politique anti-Trump de Lincoln Project pour se consacrer aux affaires familiales. Claudia, qui a également été franc sur Twitter et TikTok, à propos de son drame familial, a répondu à la nouvelle que sa mère avait démissionné en affirmant que ses, mon ses parents montaient une émission. C'est complètement mon choix et ma voix. Avec le temps, j'annoncerai les plans futurs, a déclaré dans son communiqué le sondeur républicain et consultant politique de longue date pour l'instant. Et pour mes enfants bien-aimés, ce sera moins de drame, plus de maman. Outre le stress supplémentaire causé par les récents messages de sa fille sur les réseaux sociaux, Conway pleure la mort de son père. Le père de Conway, John Fitzpatrick, est décédé à 79 ans plus tôt cette année, a révélé de son certificat de décès montre qu'il est né en novembre 1940 en Pennsylvanie et est décédé alors qu'il était hospitalisé au Physician, Physician Regional Cent euh Medical Center de Naples, en Floride, le 4 février. Vraiment? Toute une histoire, mais la conclusion de tout ça, c'est que Donald Trump perd son allié euh, euh, le plus fidèle, hein, en Kellyanne Conway, qui était là depuis le tout début, qui avait été envoyé par la famille Mercer, par euh, la le, le, le Heritage Foundation aussi, hein, pour prendre en main la campagne électorale de Donald Trump en 2016. Euh, tout un trou laissé par Kellyanne Conway, un trou qui annonce probablement... Euh, l'engloutissement hein, dans les sables mouvants de Donald Trump et de ses espoirs de réélection. Vraiment, Trey Gowdy, hein, un éminent euh, procureur qui était une tête d'affiche du Parti républicain, avait aussi quitté ses fonctions d'élu de, de, du Congrès de la Caroline du Sud. Jason Chaffetz aussi, un plein plein de républicains des canons qui sont plus là. Et qui avaient euh, annoncé leur retrait. Souvent, c'est annonciateur d'un bateau qui s'en va vraiment à la dérive et qui s'en va inévitablement vers un naufrage. On verra bien, mais le 3 novembre, on aura nos réponses. Peut-être pas le 3 novembre avec le chaos de l'élection euh, que Trump est en train de créer, mais en tout cas, on aura euh, ces réponses-là euh, bientôt.